vers l'âge de 5-6 ans, j'avais une espèce de pressentiment. Il y avait autre chose que ce que mes cinq sens pouvaient sentir, définir. Autour de moi, il y a assez peu de résonance. Je ne trouvais pas d'écho de ce son-là que j'entendais au fond de moi. Alors j'ai essayé de trouver des réponses diverses et variées. J'avais une sorte de souvenir de plein d'éléments qui étaient pour moi une des évidences de la vie après la vie, de certaines formes d'immortalité, plein de domaines qui pour moi étaient évidents, mais bon, je ne vivais pas dans un environnement où on pouvait partager ce genre de choses. J'ai quand même eu la chance de grandir et d'avoir dans mon environnement un certain nombre de livres qui étaient là, je pense, pour moi, parce qu'il n'y avait que ça comme nourriture à cette époque-là. Mais j'étais seul dans ce monde-là, avec mon seul interlocuteur, eh bien, ces livres-là. Une enfance relativement difficile, avec un choix de géniteur qui m'a forcé à tourner les yeux vers l'intérieur pour y voir la lumière, sans rentrer forcément dans les détails. Et puis, à l'âge de 18 ans, eh bien, je suis parti de chez moi avec un baluchon et une pièce de 10 francs, pensant trouver la liberté chèrement attendue. Et bien sûr, c'était un leurre, puisque quittant un monde très fermé avec un bon stock de blessures, eh bien, on part certes du monde très fermé, mais on emmène les blessures avec soi, ce que j'ai compris un peu plus tard. Mais j'ai quand même profité là de deux années, entre 18 et 20 ans, où j'ai sorti de mon apnée, là, j'ai respiré l'oxygène à plein poumon. J'ai commencé à explorer de manière un peu plus tactile tout ce que j'avais pu lire et sentir, intégrer par ma propre recherche, ma propre introspection. Et puis, mes pas m'ont amené jusqu'en Bulgarie, avec mon sac à dos, dans la région des montagnes sacrées de Rila, où j'ai passé quelques temps là, à camper dans cet espace-là. J'ai beaucoup réfléchi dans cet endroit-là. J'avais 20 ans, donc très bien, effectivement, qu'est-ce que je vais faire de cette vie-là qui pousse en moi, vers quoi je vais la diriger. Je voulais vraiment, bien évidemment, la canaliser dans un chemin qui correspondait à ce que je sentais au fond de moi, cette ouverture, etc., etc. Donc j'ai posé des questions, j'ai demandé d'avoir des réponses. Quelle est ma voie? Et au terme d'une longue méditation nocturne, j'ai eu une réponse. Ce n'était pas exactement celle que j'attendais, mais c'était une réponse. Et la réponse, elle était impérieuse. Une forme d'injonction qui me disait, eh bien, tu vas t'engager dans un régiment de l'armée, et tu prendras un régiment qui partira à l'étranger. Bon, moi j'avais 20 ans, j'avais des envies de liberté, de sortir du cadre, de quelque chose qui me semblait fermé, écrasant. Et la réponse qui m'était donnée n'était pas exactement, dans ma conception que j'avais du monde militaire, ça. Mais j'avais posé une question, et j'ai eu une réponse. Alors, j'ai écouté cette réponse, et un mois plus tard, je me suis retrouvé dans un régiment de l'armée de terre dans le sud de la France. Et puis, 4 mois plus tard, j'étais envoyé en Afrique. Et c'est le début donc d'un long périple qui a duré 18 ans. 18 ans où j'ai été envoyé partout dans le monde. Un parcours d'ancrage, s'il en est, puisqu'on ne nous envoie pas nécessairement dans les pays où tout va bien, ni où là il ne se passe rien. Et c'était mon parcours dans le monde. Qu'il me soit donné de voir tout ce que la Terre porte, de ce qu'il y a en plus dense, en plus sombre, ce qu'il y a de plus léger et lumineux. Alors, au cours de route, j'ai changé d'uniforme, si je peux dire. Je suis rentré dans la gendarmerie, non pas par goût personnel, mais j'avais envie de voir autre chose, de sortir. J'ai commencé chez les parachutistes, donc c'est pas réputé nécessairement pour leur ouverture d'esprit liée aux questions spirituelles. Même si, en termes de lâcher prise et de saut dans le vide, c'était un très très bon exercice et qui m'a bien servi plus tard quand j'ai dû transposer ce genre de choses dans un autre saut dans le vide. Et donc je suis rentré en gendarmerie, et puis, mais pas du tout dans la gendarmerie celle que les gens connaissent ou qui arrêtent les voitures sur le bord de la route. Gendarmerie mobile, donc à nouveau itinérante, où j'ai été de nouveau envoyé un peu partout dans le monde, en Afrique, dans les Comores, en Océanie, chaque fois dans des terrains difficiles. J'ai gravi au fil du temps les échelons. À la fin, j'étais à la tête de 130 personnes, responsable
de tout ce monde-là. Quand on partait à l'étranger ou en certains endroits, ben, oui, j'avais ce poids-là avec une certaine forme de solitude. Et bien évidemment, dans ces 18 années-là passées, j'ai trouvé personne pour partager hein, ce que je portais depuis l'enfance. Donc ça m'a aussi poussé à regarder à l'intérieur de moi, à chercher les ressources à l'intérieur. Des grands moments de solitude, parce que ça n'a pas toujours été facile. Et puis, dans la 18e année, j'ai été envoyé pour 6 mois en Afghanistan. C'était en mai 2012 à décembre 2012. Ça n'a pas été facile, ça a même été difficile. Mais au terme de ces 6 mois d'Afghanistan, la même voix qui, 20 ans précédemment ou 18 ans précédemment, m'avait insufflé cette idée-là de m'engager, m'a fait comprendre que ce chemin initiatique eh bien, touchait à sa fin, touchait à son terme et que voilà, j'étais maintenant appelé à aller vers autre chose. Alors cette autre chose, je ne savais pas ce que c'était, aucunement. Là, je n'ai pas eu la réponse. On m'a juste dit « c'est fini ». Alors j'ai senti quand même le poids du conditionnement. J'étais dans une structure reconnue, avec un positionnement dans la société, quand bien même il ne me convenait plus. Mais voilà, j'avais une espèce de place, quoi, quelque chose. J'étais dans un monde où bah oui, je bénéficiais d'une certaine reconnaissance. Jusqu'à même un paroxysme, puisque à mon retour d'Afghanistan, j'étais invité à l'Élysée pour, entre guillemets, couronner mon travail en Afghanistan. Et là, je me suis dit, c'est pas moi qu'on invite. C'est l'enveloppe, c'est le personnage, c'est celui qui paraît brillant dans ce chemin-là. Donc j'ai décliné l'invitation. Bien évidemment, pour un militaire, décliner l'invitation du président de la République, c'est pas exactement dans les règles. Hein. Mais ceci étant, j'ai senti que là, c'était, voilà, c'était le moment, c'était cette reconnaissance-là, c'était pas celle-là que je voulais et que il fallait que je regarde à l'intérieur encore une fois. Alors, je savais pas ce que je devais regarder, mais je savais qu'il y avait autre chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je savais pas, mais j'ai dit, je sens que je vais faire ce grand saut. Alors, je me suis rappelé mon jeune temps, en tant que parachutiste, effectivement, où certes, c'est un tout petit saut, là, c'est juste un pas, mais c'est un pas contre soi-même. C'est se faire totalement confiance à la vie. Mais bon, quand on le fait et qu'on sait pas ce qu'il y a en bas, il y a quand même une certaine quantité de peur qui remonte. Néanmoins, j'ai fait ce saut. J'ai abandonné tout, j'ai perdu tous les repères, toutes les structures, tout ce qui avait fait était mon monde, toute cette hiérarchie, ce conditionnement. Et je me suis retrouvé, à un moment donné, là, je roulais en voiture. Je ne savais plus dans quelle direction j'allais. Je roulais, je ne savais pas vers quoi j'allais. Ayant tout abandonné, tout ce que je pensais qui me constituait, eh bien, une espèce d'émergence, presque comme un volcan là, qui libère sa puissance. Et ces choses sont sorties de cet apparent néant. Là. Et puis, très rapidement, j'ai commencé à concevoir que j'avais des choses à transmettre. Presque 40 années là, d'itinérance, où j'ai quand même touché une certaine forme de souffrance apparente. Et j'ai commencé à de nouveau entendre cette voix intérieure, commencer à voir à nouveau ce qu'il y a derrière les voiles, commencer à sentir autrement que par les 5 sens. Ça s'est fait assez rapidement. J'ai commencé à rencontrer à nouveau des personnes et puis ressentir beaucoup de choses, entendre des sortes d'informations concernant ces personnes. Puis en même temps, j'ai abandonné tous mes propres conditionnements, mes repères. Ça m'a permis moi, d'ouvrir les yeux différemment et de voir le monde avec une comme une espèce de hauteur de point de vue. Et les choses se sont mises en place presque de façon magique. J'ai une sorte de miracle permanent, là, où effectivement, lorsque on se met au service de son âme, eh bien, l'âme se met au service là, de la partie incarnée, et tout est fluide, tout est simple, et on se rend compte qu'on n'a pas ramé, on n'a pas forcé. C'est une espèce de suite de synchronicité, là, ou une synchronicité permanente, et on sait qu'on est en permanence au bon endroit, au bon moment, et que pas être ailleurs que là où on est. C'était tout sauf une fuite, parce que si j'avais dû fuir, je ne serais pas allé là-dedans. Je serais au contraire parti me planquer dans un, je sais pas quoi, un ashram ou que sais-je. Donc c'était tout sauf une fuite. À l'époque, j'avais, on a peut-être mal imaginé, mais j'avais les cheveux longs, j'avais
plutôt envie de, voilà, d'un vent frais et de quelque chose de, oui, d'un monde que j'imaginais spirituel. Donc ce n'était pas du tout une fuite, au contraire, ça a été pour moi une confrontation à la densité, c'est-à-dire qu'est-ce que porte la terre finalement dans ses entrailles-là. Il y a tout le sang versé par toutes les guerres, les massacres, les sacrifices, les outrages, tout ça. Je suis allé sentir ça et j'ai compris que sans un ancrage fort à la terre, eh bien, on peut faire descendre tout ce qu'on veut du ciel, au sens large du terme, si on n'est pas ancré, si on n'est pas profondément arrimé au centre de la terre, eh bien, tout reste en surface. Et on m'a fait comprendre, bon, très bien, tu vas transmettre des choses. Mais pas n'importe comment, pas en surface. Tu vas aller au fond de la coupe, au fond du Graal, tu vas aller sentir le plomb qu'il y a dedans. Effectivement, lorsque tu auras senti ce plomb, tu pourras le transformer en or. Mais avant, tu vas vraiment toucher tout le spectre de ce que porte la terre. Tu vas maintenant voir cela avec un regard empli de compassion, sans jugement. C'est facile, hein, quand on vit dans un monde éthéré, dit spirituel, de prôner l'ouverture du cœur, que tout est paix, tout est amour. Ok, très bien, oui, certes. A-t-on la même capacité de prôner ça lorsqu'on est en face d'un taliban qui égorge des petites filles? Est-ce qu'on a cette même ouverture du cœur là? Mais l'alchimie, elle est là, on a le choix. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai vu? Est-ce que ça fait de moi un être aigri, désespéré, qui finalement sort de là désabusé, ou finalement quelqu'un qui, au-delà de ce grand théâtre avec ses forces apparemment en opposition, eh bien, fait un pas en arrière entre cet avant-plan et cet arrière-plan-là. Et puis, observe tout ça avec une forme de distance, mais une distance pleine de conscience, c'est-à-dire, ce n'est pas un détachement, c'est je vois dans celui qui est en face de moi, non pas l'ennemi, l'adversaire, mais un autre moi-même, qui est certes peut-être moins avancé sur un certain chemin, mais si je vois en l'autre quelqu'un de totalement coupé de moi, distinct de moi, je ne comprends pas comment fonctionne cette humanité. Et si je conçois que lorsque je change en moi ce qui me dérange chez l'autre, eh bien je commence là, dans ce processus d'alchimie, dans lequel il semble que je sois engagé. C'est ça ce qui m'a été donné de toucher. C'est on m'a montré toutes les facettes de l'humanité. Alors effectivement, j'ai tout côtoyé dans ces 18 ans, à la fois des guerres civiles, j'ai côtoyé des chefs d'État, j'ai travaillé dans des ambassades, j'ai vu énormément de choses, j'ai touché énormément de milieux, des domaines. Et pourquoi? C'est pas juste pour accumuler de l'expérience. C'est pour voir finalement cette étincelle commune là, qui brille en chaque être et qui, voilà, et qui les rassemble. On m'a amené là-dedans pour voir non pas ce qui éloigne les êtres humains, mais ce qui les rassemble. Lorsque je reçois les gens, en me mettant en connexion avec l'âme de l'autre, eh bien, en fonction de ce qu'elle porte aujourd'hui, je vois apparaître des scènes de vie, un peu comme sur un écran de cinéma, et qui correspondent à des épisodes que l'être a vécu et qui sont restés engrammés, qui forment une espèce de mémoire cristallisée sur un événement. Comme si ça, c'est une espèce de scène de vie et sur laquelle on appuie sur le bouton repeat et qui tourne en boucle et qui enferme une partie de l'être dans un cadre espace-temps qui aujourd'hui eh bien, est comme dans le champ de la personne et attire à elle toutes sortes d'événements qui sont là pour entrer en résonance avec ça. Alors, on a tous, dans nos vies passées, vécu des choses traumatisantes, des massacres, des guerres, des trahisons, toutes sortes de blessures. Alors après, chacun, selon sa capacité à transcender ça, eh bien, on conserve plus ou moins des mémoires. Mais il faut savoir que l'enfant, lorsqu'il descend dans le fœtus de la mère, lorsque le fœtus a 3 mois, et jusqu'à ses 8 ans, eh bien, c'est vraiment une éponge. Il n'a pas de corps mental, il a juste ce corps émotionnel, et il absorbe tout. Il traverse cette couche superficielle qui entoure la Terre et qui... l'inconscient collectif ou une espèce d'égrégore qui comporte l'ensemble des pensées émises par l'humanité depuis qu'elle est humanité, et dedans il n'y a pas que des belles choses. Donc déjà ça le teinte, c'est-à-dire que ça l'influence, et en fonction de la grandeur d'âme, si je puis dire, ou de la capacité de chacun eh bien, à transcender ça, eh bien,
on en remplit plus ou moins le sac à dos en descendant. Tiens, je prends un peu de domination, un peu de soumission, un peu de ceci, un peu de cela. Et puis, je verrai ce que je peux en faire une fois sur Terre. Ensuite, lorsque une partie de l'âme là, se positionne dans le fœtus, eh bien, là commence véritablement cette incarnation. Et cette partie d'âme qui s'incarne là, bien sûr qu'elle elle possède toutes ses mémoires antérieures, de toutes ses vies, mais là, en plus, elle emmagasine eh bien, tout ce que sa mère et le géniteur eh bien, lui envoient en termes d'émotions, de ressentis, de paroles, etc., etc. Et ça commence déjà à l'influencer. Donc, outre ses propres vies antérieures, ses propres mémoires, eh bien, là, déjà, l'enfant, il emmagasine d'autres choses qui ne lui appartiennent pas en nom propre. Mais encore une fois, avant de s'incarner dans ses parents-là, il fait le choix. C'est un choix délibéré. Quand bien même, ça peut paraître difficile, mais il y a véritablement un choix qui est fait là. Pourquoi ce choix-là? Justement, c'est un choix qui est lié aux vies passées. C'est-à-dire que toutes les blessures qui ont été vécues dans les vies passées, eh bien, ont vocation à être guéries. Donc, comment on fait pour guérir de nos blessures dans la vie actuelle? Eh bien, on va choisir des géniteurs qui seront à même de pointer du doigt en nous les parties qui sont en souffrance. Alors, ça peut paraître paradoxal. On dit déjà, on vient en tant que victime, et en plus, on choisit des parents qui vont exacerber les parties souffrantes. Mais oui, mais sinon, comment fait-on pour les sentir? Si on arrive dans une espèce de monde aseptisé, où tous nos sens sont anesthésiés, eh bien, on n'avance pas. Oui. Et alors, comment faire pour le mieux possible guérir, par exemple, d'une blessure d'abandon? Eh bien, c'est de venir dans une vie où les êtres eh bien, vous placent face à ça et vous montrent, regarde à quel point ici tu souffres de cela. Donc, effectivement, il y a toutes ces vies-là qui sont gardées en mémoire et ce choix dans l'incarnation où on se met une forme de défi. Voici ce que j'appelle à moi tous les facteurs possibles pour que je puisse identifier les endroits où j'ai mal. Et puis commence cette vie-là, ces 8 premières années, où là aussi il y a un certain nombre de blessures qui sont vécues. Parce que lorsqu'on est enfant, tout va bien, la vie pousse en nous, on n'est pas content, on pleure, on a faim, on crie, etc. La vie se manifeste et puis on a le cœur tout ouvert. Mais est-ce que autour de nous, les parents sont en capacité de systématiquement accueillir cette vie-là dans toute son expression. Quel enfant là, qui, dans toute son ouverture du cœur, n'a pas cueilli des fleurs dans le jardin, tout content de faire ça à sa mère, et la mère qui dit « Mais regarde ce que tu as fait une bêtise !» Mais c'est quoi pour un enfant de 4 ans? C'est-à-dire que j'ouvre mon cœur, je laisse monter la vie en moi, j'exprime tout cet amour que j'ai au fond de moi, et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, tu as fait une bêtise. Donc, c'est l'enfant engramme ça. Lorsque j'ouvre mon cœur et que je l'offre en partage, l'adulte, le grand, ma mère, mon père, me dit que c'est une bêtise. Donc, pour être le moins mal aimé possible dans ce monde-là, eh bien, je dois faire en sorte de protéger cette vie que j'ai en moi, ce cœur qui s'ouvre. Alors, tout ça apparaît aussi dans cette lecture d'âme, puisque il y a ce qu'on a venu là travailler, bien sûr, ça rentre, on prend des géniteurs qui vont réveiller ou pointer du doigt une partie de nous qui est en souffrance. Alors tout ça c'est, on est la somme de toutes ces choses-là. Ça ne s'arrête jamais jusqu'au moment où on décide que ça s'arrête. C'est-à-dire que lorsqu'on s'arrête là, un petit peu, 5 minutes, et qu'on regarde, on fait le bilan de notre vie. Et on dit, dans ce qui est ma vie aujourd'hui, qu'est-ce qui est directement issu de ma propre volonté intérieure et qu'est-ce qui vient de conditionnement extérieur? Parce que les parents savent toujours mieux que les enfants ce qui est bon pour eux. Fais ceci, parce que si tu pars par là, ce sera bouché. Fais comme moi, mon fils, si tu veux réussir. Et puis, la vie, c'est pas facile. Il faut trimer. Il faut travailler extrêmement dur, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'on projette là ici? Encore une fois, c'est pas concevoir que l'être qui vient après soi est porteur d'une intelligence, d'une sagesse plus grande. Et nous, on fonctionne à l'envers. On considère que le petit être là est un être insignifiant auquel il faut parler comme un demeuré
par onomatopée, et que, à qui il faut montrer la voie. Or, celui qui montre la voie, c'est celui qui vient de manière ultérieure. Et on a oublié ça, on a inversé les choses. Bien sûr que lorsqu'on prend conscience de tous ces conditionnements-là, familial, éducatif, sociétal, économique, bien sûr qu'à un moment donné, là aussi, il y a, à chaque fois, ce sont des sauts dans le vide. Oui, j'abandonne toutes ces croyances-là, j'abandonne cette idée que, voilà, pour réussir, pour les machins, les débouchés, c'est dans cette voie. Oui, tout ça, c'est un dépouillement. Moi, je ne fais pas du développement personnel, je fais du dépouillement personnel. C'est effectivement, on enlève tout ce qui n'est pas le soi. Je demande à la personne de me dire ce qu'elle vit actuellement. Voilà. Qu'elle mette déjà elle-même une forme de conscience sur ce qu'est sa vie, son quotidien, c'est-à-dire voilà, qu'est-ce qui est aujourd'hui autour de moi, comment je me sens, est-ce que voilà, au niveau de la vie professionnelle, personnelle, etc., quel est comment je me place dans cet environnement. Une fois qu'elle a éclairé de sa conscience ce qui fait sa vie, déjà ça donne une forme de lucidité sur soi-même. Hein. Je ne suis pas là pour abreuver la personne de vérité. Une fois que cela est fait, donc une fois que la personne a clairement identifié quel est son besoin essentiel par rapport à ce qui est, eh bien moi je dresse un panorama de l'être, c'est-à-dire d'où il vient, vers quoi il est passé, ce qu'il est venu là expérimenter ou transmettre sur Terre, et quels sont les défis qu'il s'est donné dans cet itinéraire. Alors dans les défis, dedans j'entends à la fois toutes les blessures qu'il y a à guérir, les peurs à transcender, les colères à apaiser, etc. etc. Beaucoup viennent avec des fois des passés assez lourds, avec des enfances très difficiles, des géniteurs parfois qui sont comportés comme des bourreaux. Voilà, des parcours dans une immersion dans le plantaire qui n'est pas confortable hein, pour l'être humain. Eh bien, la lecture d'âme aussi, ça donne du sens. Pourquoi ? Pourquoi justement ce choix-là de ces géniteurs ? Pourquoi cela est pas naître dans un couffin là de plumes roses, et pourquoi aller dans cette espèce de bourbier là à la place? Oui, mais tout ça j'éclaire ça, je donne une espèce de on monte un petit peu là, on prend un peu de hauteur et on voit ça du dessus, et ça donne ça éclaire les choix qui ont été faits, parce qu'il n'y a rien de pire finalement que de se sentir dans une situation où on se sent, totalement impuissant et sans comprendre finalement. On se dit, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde-là? Mais personne ne comprend rien autour de moi. Mais lorsque, juste là, on écarte un peu le rideau, c'est ce que je fais. Je ne fais que lire ce qui est écrit sur le fronton de l'âme. Je me mets en communion avec l'âme de la personne qui vient à moi. Et je lui rappelle qui elle est. Pourquoi elle est venue là? Est-ce qu'elle est venue amener? J'essaie de là de donner du sens et du relief à tous ces choix-là. Et puis, je donne aussi la direction. J'essaie de montrer ce qu'il y a, vers quoi l'être va. Parfois, lorsque l'être est vraiment emprisonné dans des carcans, dans des peurs, etc., je ne peux pas lui dire, voilà, tu es venu pour ça. Parce que ce « ça-là » est parfois trop grand par rapport à ce qu'elle vit aujourd'hui, et qu'elle a besoin, avant d'aller dans ce « ça-là », eh bien de faire un, deux, trois sauts dans le vide. Et sans ces sauts dans le vide-là, eh bien on ne peut pas parler de ce qui est en bas quand on est encore arrimé au siège de l'avion avec le masque à oxygène, parce qu'on pense qu'on va s'écraser. Non, moi je suis là déjà pour aller, on va enlever la ceinture, on va remettre le masque à oxygène dans son logement, et puis on va commencer à se lever déjà, regarder par la fenêtre, voir. Finalement, c'est pas si effrayant que ça, ce qui est en bas, peut-être. Hein, et puis on va s'approcher doucement de la porte de l'avion. Et seulement après, on pourra parler de ce magnifique panorama qui est dans lequel on est censé aller. Mais on y va pas à pas, parce que c'est un processus. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que dans plein de vies passées, beaucoup sont venus comme ça, effectivement. Être de lumière, le cœur ouvert, plein d'amour. Je viens offrir au monde qui je suis. Et quel était l'accueil pour ces êtres-là ? Est-ce que... il y a toujours eu les pétales de rose lancés sous les pieds? Non, bien souvent c'était la tige et les épines qui ont accueilli ces êtres. Il y a eu toutes les pertes d'inquisition, tous les massacres de tous les êtres qui amenaient une forme de lumière. Il y a eu tout ce pouvoir temporel, patriarcal,
qui a mis une espèce de chape de plomb sur l'humanité depuis 2500 ans. Et ça, ça laisse forcément des traces, des mémoires cellulaires. Et aujourd'hui, lorsque, oui, bien sûr qu'on sent à l'arrière-plan une force qui pousse, qui dit « oui, je veux mettre au service cette humanité, je veux offrir qui je suis au monde ». Mais devant, une espèce de mémoire cellulaire qui dit « oh là là là, doucement, calme-toi, souviens-toi toutes les fois où tu es venu là, comment ça s'est terminé ? J'étais au lion, sur le bûcher, décapité, torturé ». Alors bien sûr que dans ce processus qui suit la lecture d'âme, eh bien on travaille là-dessus. Parce qu'on ne peut pas aller contre ça, on ne peut pas se battre contre ces mémoires-là. Il faut intégrer ça, c'est-à-dire revisiter, et ça sert aussi à sa lecture d'âme, c'est-à-dire revisiter les événements vécus de manière qui sont des événements traumatiques, à la fois dans la vie passée, mais aussi dans l'enfance, depuis la vie intra-utérine jusqu'à l'âge de 8 ans, et puis relire ça de manière neutre, apaisée, sans tout le trauma, sans tous ces pics de souffrance émotionnelle qui font qu'aujourd'hui, eh bien, lorsque ces êtres-là veulent tellement eh bien, offrir qui ils sont, et ils sentent cette espèce de barrière de ce corps de souffrance qui se met en travers. C'est ça, c'est remettre le mental à la place qui revient. C'est un place de serviteur de l'être et non pas le maître de l'être. Et le rôle du mental est de se préserver. Il est là pour se préserver, préserver son existence, sa structure, cette construction égotique. Il est là pour ça. Donc il fera tout pour rester, donc pour empêcher que l'être, le soi divin, eh bien, prenne sa place et renvoie le mental à sa place de serviteur, bien évidemment. Mais il n'y a pas à lutter, c'est justement concevoir de quelle manière ça fonctionne et puis ouvrir davantage les bras et puis englober tout ça avec manière amoureuse, j'ai envie de dire, et pas être en lutte contre son mental. Voilà, j'ai un mental fort, etc., je dois me battre contre mon mental. Non, juste concevoir la nature de chacun. Qu'est-ce qui génère la force de ce mental? Qu'est-ce qu'il nourrit? Il suffit juste d'arrêter de nourrir ce mental-là. Ce mental-là, il se nourrit, bien sûr, il se nourrit des croyances, des peurs, des doutes. La méditation, c'est bien, mais c'est un moyen, c'est pas un but. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est-à-dire que si on n'arrive pas effectivement à faire taire le mental, c'est un moyen, comme un autre, d'apaiser ça, d'être spectateur finalement de ce mental qui ne cesse de faire traverser à travers la conscience, eh bien, une forme de brouhaha là, et d'interférence. Ensuite, lâcher prise. Il faut quand même entendre ce que cela signifie, lâcher prise. C'est pas s'allonger là et puis dire « bon bah voilà, j'abandonne tout ». C'est « quel est mon besoin essentiel ? Quel choix je fais là pour me mettre en cohérence avec ce besoin essentiel ?» Le mental trouvera 1000 bonnes raisons pour que je ne me mette pas en cohérence avec cela. Je ne peux pas, c'est la crise, c'est si je quitte mon conjoint, il sera malheureux. Si j'abandonne ça, j'aurai plus de sécurité, ma maison, ma voiture, etc., etc. Donc le mental, lui, il trouvera toujours une bonne raison ou pour repousser au lendemain ou pour faire en sorte qu'on ne dise pas oui à cette voix intérieure. Ensuite, quand on parle de lâcher prise, c'est quoi? C'est pas dire, voilà, j'attends que ça se passe et puis l'univers fera le reste. C'est je fais tout ce qui est à ma portée. Tout ce que je peux faire dans cette... Parce que j'ai quand même un corps. Donc j'utilise ce corps du mieux que je peux. Mais ce qui échappe à mes possibilités, là, je lâche prise. Lorsque c'est au-delà des points auxquels je peux accéder, je lâche prise, j'abandonne. Je m'abandonne à ce qui est plus grand que moi. Là où je commence à souffrir, c'est quand je veux intervenir sur des choses qui m'échappent, sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir. Il est là le lâcher prise, c'est ok, je fais tout ce que je me mets en accord avec ce qui vibre au fond de moi, avec ce besoin essentiel. Je fais ce choix-là. Bien sûr qu'à un moment donné, le saut est là, c'est tout ce mental-là qui me traverse, toutes ces peurs, ces doutes, eh bien je fais le choix de passer en dessous, au-dessus, à côté, mais passer outre en tout cas. Et puis lorsque j'ai fait ce choix-là de passer outre ce brouillage du mental, eh bien, je fais ce qu'il y a à ma portée, du mieux que je peux.
pour entrer en cohérence avec cette voix intérieure. Et le reste ne m'appartient pas. Quand je dis que lorsque je me mets au service de mon âme se met à mon service, la puissance de l'arrière-plan est immensément plus vaste que mes capacités là d'être humain. Et ça, c'est là où je dois lâcher prise. Je dois me sentir non pas dans une espèce de petit rouage insignifiant, mais concevoir que si j'autorise simplement à ce qui est plus grand que moi d'intervenir dans mon univers, eh bien les choses se mettent en place. Je cesse de vouloir tout contrôler. Je sors de cette illusion que j'ai le pouvoir sur les choses. Je n'ai que de pouvoir sur moi-même, sur effectivement, qui est quand même important, juste d'entendre cette voix intérieure et de dire, eh bien très bien, pour une fois dans ma vie, je vais arrêter d'écouter tout ce qu'il y a autour de moi, le père, la mère, la société, l'éducation, le gouvernement, etc. Dire, bah, tiens, je vais donner la priorité à ce que je suis. Et lorsque je donne cette priorité à ce que je suis, eh bien, tout le reste, eh bien, se met dans cette même mouvance. Et je commence à respirer au rythme de l'univers. Et lorsque je respire au rythme de l'univers, qu'est-ce que je sens? Eh bien, je sens que l'univers respire à travers moi. Je peux changer. C'est-à-dire que je sais que mon énergie, elle va se propager de moi et elle va attirer ce que je pense de moi, ou ce que je ressens de moi, ou toutes les émotions que j'ai de moi par rapport à l'enfance. Donc, je vais faire en sorte de transformer ça. Et généralement, il y a des cadeaux de l'univers. Parce que quand une émotion ou une pensée négative n'est pas résolue par rapport à un problème de l'enfance ou de la vie, eh bien, le fait que ce soit pas résolu, on attire en permanence une sorte de schématisation de ce qui n'est pas résolu à l'intérieur de nous. Et moi, je dis que ça, c'est les cadeaux de l'univers. C'est-à-dire que l'univers nous présente des situations similaires, des événements, des personnes similaires à ce qui a engendré ces pensées ou ces émotions négatives de nous, pour nous permettre justement de le résoudre. C'est-à-dire qu'une fois que on se rend compte qu'on attire ce genre de choses par rapport à nos pensées négatives ou nos émotions négatives, qui sont juste de l'énergie, quand on prend conscience de ça, et quand on arrive à transformer ça, eh bien, il n'y a plus besoin de vivre ça. L'univers ne nous présente plus des situations similaires parce qu'on les a résolues. Parce qu'on a transformé notre énergie à l'intérieur. Tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, que ce soit dans notre vie, dans notre famille, au travail, ou même à l'autre bout de la terre, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous est indirectement une contrepartie de nous-mêmes à l'intérieur. Tout est déjà là, tout est déjà présent en soi. Il y a juste à le reconnaître. C'est-à-dire, à un moment donné, encore une fois, c'est dans cette pause que je fais, c'est que je sors de cette quête effrénée de la solution à mes problèmes multiples chez l'autre. Je dis, bon, ok, j'arrête de chercher ailleurs qu'en moi-même ce qui est déjà présent ici, là. Et donc, quand je parle de ce dépouillement personnel et pas de ce développement personnel, c'est que la personnalité, eh bien, à un moment donné, on a besoin qu'elle s'efface, non pas totalement, mais dans sa partie tronquée, c'est-à-dire que dans cette partie qui constitue comme une sorte de prisme face à moi et qui déforme la réalité. Non pas dans ce que je vois autour de moi, mais dans ce que je regarde, parce que je regarde à l'intérieur. Je ne me vois pas tel que je suis. Je me vois tel que les autres veulent que je me voie. Tu seras ça, que si, comme ça, on est sans cesse défini. Les notes, les machins, les qualificatifs, les tempéraments, les signes astrologiques. Et c'est pour la vie comme ça. Quel drame! L'élévation actuelle du taux vibratoire de la Terre, des fréquences, eh bien, a deux effets. Elle amplifie à la fois, on va dire, la partie corps de lumière en nous, très bien. Effectivement, chacun se sent appelé à s'élever vers autre chose. Mais comme cette énergie est neutre, elle est ni positive ni négative, elle amplifie tout. Donc, elle amplifie aussi ce corps de souffrance qui a une sorte de voile devant le corps de lumière et qui devient de plus en plus, qui paraît de plus en plus présent. Alors, beaucoup disent, je ne comprends pas, je travaille sur moi, je fais plein de choses, et plus j'avance, plus j'ai l'impression
d'être enfermé dans un carcan, etc. Ça, mais oui, mais c'est tout à fait normal. À partir du moment où on éclaire le fond de la grotte, eh bien, on commence à voir les monstres qui s'y trouvent. Alors, moi, je prends souvent l'exemple là, de ce travail méditatif exclusif qui n'est pas suffisant. C'est la montgolfière qui est attachée au fond de la grotte avec un élastique. Très bien, on peut partir très haut, voir des mondes éthérés superbes. Mais si on ne va pas explorer les peurs, les croyances, les doutes, toutes les blessures qu'on porte en soi, eh bien, tôt ou tard, la montgolfière va nous ramener de manière exponentielle, là, avec une vitesse exponentielle, vers cette réalité qui nous appartient aussi. Moi, dans le travail que je fais, c'est pas extrêmement sexy, hein. C'est un travail introspectif dans le corps, dans la matière. Où j'ai mal en moi? Où se trouvent les émotions qui me font souffrir au quotidien? Et ça ne manque pas. Des stimuli se succèdent quotidiennement. Alors je peux essayer, effectivement, je dis « Ah là là, ce monde est difficile, je vais prendre une heure, aller méditer. » Moi je dis « Non, on va rester dans le corps, on va descendre. » Et on va aller voir les parties qui sont en souffrance, qui sont comme des cibles sur lesquelles eh bien, chacun envoie des flèches jusqu'à temps que je décide d'arrêter de lutter contre celui qui tire la flèche. Je dis bah, tiens, peut-être que j'ai peut-être une cible en moi. Et si je prends conscience de la présence de cette cible, eh bien, j'arrêterai d'appeler à moi un archer. L'ascension, c'est ça aussi. C'est à un moment donné, c'est est-ce qu'on peut s'élever comme dans la montgolfière avec en gardant du lest. Élastique accroché au fond de la grotte. On est dans une forme d'illusion. L'ascension, c'est un travail de lucidité, de discernement. Est-ce qu'on a été creusé au fond du problème? Est-ce qu'on a été libéré l'enfant intérieur qui a offert son bouquet de fleurs à 3 ans à sa mère et à qui on a sabré l'envie de rayonner? Il n'y a pas de communication entre l'adulte et l'enfant intérieur. Si il n'y a pas une voix extérieure qui va aller... enlever cette chape de plomb. Donc, l'ascension actuelle, eh bien, ça passe par là. Ça passe, bien sûr qu'on sent les vibrations qui montent, mais il faut accueillir tout ce qu'on est, sans jugement, avec la plus grande des compassions, et de sentir et de mesurer pleinement que ce corps de souffrance, là, qui semble être comme réveillé, eh bien, c'est justement, c'est le moment, là, c'est le moment d'aller goûter toutes ces choses et ramener ça au centre. C'est concevoir qu'on est la somme de toutes ces vies, toutes ces facettes, et qu'on a besoin là, d'enlever la gangue qui entoure ce diamant. Et c'est ça l'ascension, en définitive. C'est augmenter tellement les fréquences là, de ce corps que rendre possible, finalement, une élévation vibratoire dans un corps physique, matériel, troisième dimension, en quelque chose de plus éthéré. C'est-à-dire qu'on quitte le monde des émotions, qui est le monde de l'eau. Hein. Notre corps est quand même composé d'eau à 80%. Et donc, en termes d'émotions, si on n'a pas conscience de tout ce qu'on porte là, en peur, en colère, en tristesse, mais aussi en joie, eh bien, on reste enfermé dans ce monde des émotions. Et l'ascension, c'est quoi? Si on passe du monde de l'eau au monde de l'air. Alors, comment ça fonctionne? C'est-à-dire qu'il faut activer en soi le hara, le deuxième chakra, qui est comme une sorte de volcan au fond de l'eau, et laisser monter la vie en soi. Comme on a fait quand on était enfant, on a voulu laisser monter la vie en soi, et puis les grands nous disent « Non, 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 ne bouge pas, tais-toi, calme-toi, va dans cette direction. » Eh bien là, c'est revenir dans cette posture initiale. On laisse monter ce volcan qui est au fond de l'eau. Alors bien sûr qu'en surface, les humains disent, lorsqu'il y a un volcan au fond de l'eau, que ça génère un tsunami, c'est un drame, c'est horrible, parce que ça fait des vagues. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau? C'est la vie qui se manifeste. Et la nature est une grande enseignante, on ne regarde pas ça assez. L'eau, c'est le monde des émotions. Et nous avons ce même volcan au niveau du deuxième chakra. Lorsqu'on laisse monter la vie en nous, eh bien sûr que ça fait remonter ces bulles qui sont emprisonnées. Ça, on fait remonter les émotions jusqu'à la surface. Au départ, les bulles sont toutes petites, comprimées, mais lorsqu'on les laisse monter, elles grandissent, et qu'est-ce qu'elles font en surface? Eh bien, elles éclatent. C'est la même chose. Lorsqu'on laisse enfin remonter, émerger la vie en soi, eh bien, ça permet à cette densité-là de s'élever, et on quitte le monde de l'eau
pour aller au monde de l'air. Et lorsqu'on passe de cette ère des poissons à l'ère du Verseau, eh bien, c'est ça l'ascension, c'est quitter ce monde des émotions pour entrer dans le monde de la conscience.